Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue au musée du travail. Je m'appelle Jean-Luc, et je serai votre guide durant la visite des plus belles pièces exposées, retraçant l'histoire des métiers oubliés. Monsieur? Oui, mon petit. Est-ce qu'il y aura des chasseurs de dinosaures? Nous avons quelque chose qui s'en approche. En effet, le musée vient de faire l'acquisition d'un homme politique des cavernes en parfait état de conservation. À présent, si vous le voulez bien, suivez-moi, nous allons commencer cette visite extraordinaire. Nous allons donc débuter cette visite par le métier le plus ancien d'entre tous, hein, celui de péripatéticienne. Bonjour chérie. Bonjour madame. Tu as honte? Maman dit je peux? Non. On est au musée, on touche qu'avec les yeux. Georges! Quoi? Montre un peu l'exemple à ton gosse. On est au musée, on ne touche pas avec les mains. Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Qui peut encore s'étonner de la raréfaction de certains labeurs? En effet, dans l'ancien temps, baigné et regretté principalement des cons sans avenir, la besogne quotidienne tenait de la survie pure et simple ou de l'asservissement le plus caractérisé. Or, comme tout le monde avait une fâcheuse tendance à préférer une vie de misère qu'une mort atroce, le travail se généralisa comme activité principale de l'humanité, bien plus commune que la guerre ou l'agitation sous-ventrière. À mesure que les technologies évoluèrent et que l'organisation du turbin se rationalisait, nous sommes passés de cette relation simple à celle-ci autrement plus complexe. Ce processus précipita certaines professions dans l'oubli, en remplaçant les ouvriers qualifiés dans une spécialité par des machines bien plus rentables et moins rechigneuses aux corvées répétitives. Dis papa, est-ce que c'est parce qu'il est noir le monsieur qu'il est esclave? Mais non mon chéri, il est juste sale parce qu'il est ouvrier. Toujours est-il qu'en persistant à réduire le travail à l'activité salariée et en cherchant à diminuer les coûts de production pour augmenter la profitabilité, l'inéluctabilité de la disparition de certains corps de métier s'imposa d'elle-même, au point que nos sociétés durent faire face à l'endémique chômage de masse en résultant. Mais comble de la supercherie, à présent que le système vacille pour avoir fait croire à tous que bûcher sans contrainte était un rêve accessible, voilà que la horde des décideurs incite les jeunes bardés de diplômes et d'ambitions démesurées à voir à la baisse leur aspiration à une vie d'abondance, pour qu'enfin ils s'astreignent à des boulots dont personne ne veut plus. Méfiance, chers dirigeants démocrates, car si vous avez réussi l'incroyable tour de passe-passe de créer une génération d'immatures capables de tout, sans leur avoir inculqué la conscience des autres, ils ne se soucieront guère de vos vieux os périclitants et claudiquants au soir de votre vie de suffisant où vous devrez immanquablement prendre votre retraite. Et vous souffrirez, comme autant de Dr. Frankenstein de pacotille, le sort des savants fous incapables de contrôler leurs créatures de cauchemar. A bon électeur, salut! Comme vous vous en doutez, notre visite ne serait pas complète sans le plus vieux et le plus inutile de tous les métiers du monde, hein. C'est-à-dire le... Non! 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 Non!